C'est du vrai. Les délégations des fédéraux de l'UDPS de l'intérieur, ceux de l'extérieur et de Kinshasa, l'exécutif du parti, la 9e composante de la Convention démocratique, Commission égalité hommes et femmes, et la délégation de l'école du parti, sous la conduite du chef du parti Augustin Kabuya, ont rencontré ce mercredi 11 janvier 2023 la haute autorité des références du parti, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui, en dépit de ses multiples occupations, a tenu à honorer sa parole donnée. Occasion pour Manabouté de lui témoigner la reconnaissance de l'équipe. Excellences, Monsieur le Président de la République, d'entrée de jeu, nous tenons à vous remercier sincèrement. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'accomplir votre promesse faite avant notre descente à Kisantu. Vous m'avez dit, après la rencontre de Kisantu, demandez à tous nos compagnons d'élite de venir, je vais vous recevoir. Tour à tour, les représentants des délégations ont présenté les vœux de longévité, succès, sécurité et réussite aux premiers des citoyens congolais avant de lui soumettre des déshydratants. À vous souhaiter une longue vie, beaucoup de courage, d'énergie, de sagesse. Le Tout-Puissant vous fasse porter son manteau de protection pour l'année 2023. Unanimement, et en présence de la haute autorité des références de l'UDPS, toutes les délégations n'ont pas hésité au cours de leurs allocutions respectives de reconnaître le leadership éclairé de Augustin Kabuya. Mais quand vous accueillez aujourd'hui chez vous, pour moi, vous avez mis fin à ce mauvais acte. Mais le chef ne voudra pas réagir aux préoccupations de l'assistance sans rétorquer aux vœux lui présentés. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs combattantes et combattants, avant toute chose, laissez-moi vous retourner aussi, vous réciproquer mes vœux, les meilleurs. Merci beaucoup, monsieur. Par ailleurs, Félix Tshisekedi, haute autorité des références du parti, s'est dit heureux de constater qu'en dépit de la conjoncture, les siens continuent à croire en lui plus en